Amis des interrupteurs, bonsoir. Ce soir, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer comment on peut voir les rebonds d'un bouton poussoir facilement avec un oscilloscope numérique. Pour cela, j'ai fait un montage très classique, un bouton poussoir à la masse, une résistance de rappel 8,2K, enfin, la valeur n'est pas très critique, et ici j'ai branché donc la sonde de l'oscilloscope. Donc l'idée c'est de regarder un bouton poussoir, quel genre de rebond il fait, des rebonds mécaniques, et c'est intéressant de les connaître, parce que ça va permettre éventuellement, soit de façon analogique ou avec un logiciel, eh ben, d'éviter qu'il pose des problèmes. Donc là j'ai fait un petit montage vraiment tout bête, hein. J'ai même fait un petit bouton poussoir de récup, la résistance et la sonde que j'ai alimenté avec mon allume rigolo. Donc j'ai branché tout ça sur mon oscilloscope qu'on voit ici. Donc ici on peut voir que, voilà, là j'appuie plusieurs fois, donc en fait vu que c'est sur le front montant, c'est au moment où je lâche l'interrupteur, là par exemple on voit qu'il y a un sacré rebond, il déclenche ici, on voit le trigger au milieu, donc ici ben, on voit déjà que, entre ici il y a forcément une impulsion très courte hein, qui fait le déclenchement, et après on voit qu'il y a plusieurs rebonds. Alors ce qu'on peut déjà noter, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est très variable en fait, hein. Selon la façon dont j'appuie, on voit qu'il peut y avoir des rebonds parfois très multiples. Si on change ici le sens de déclenchement, c'est-à-dire que maintenant je lui dis de déclencher sur un front descendant, ben là on voit c'est quand le signal descend. Il y a la possibilité ici de mettre le déclenchement sur tous les fronts. Donc en fait c'est plus intéressant ici vu que ça va nous permettre de voir à chaque fois qu'on change, qu'on appuie sur le bouton, donc soit le front descendant, soit le front montant. Donc voilà, ici on voit qu'il peut y avoir beaucoup de parasites. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la double baisse de temps. Voilà, ce qui va nous permettre par exemple de zoomer un peu sur la partie qui nous intéresse. Et voir ici, typiquement, voilà, les rebonds. Là, on les voit très bien ici. Donc bien sûr, pour ce faire, hein, j'ai mis un déclenchement dit normal, c'est-à-dire que l'oscilloscope ne fait un balayage que quand il détecte un déclenchement, donc ici qui est sur un front montant ou descendant, c'est-à-dire que le fait que je change un interrupteur dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà par exemple un exemple de rebond ici qu'on voit très bien, hein. Il y a le déclenchement ici et après voilà, un certain nombre d'impulsions qu'on peut voir ici. Parce que, donc pour résumer, pour pouvoir voir facilement les rebonds d'un bouton poussoir, donc se mettre en déclenchement normal, sur front montant ou descendant, ou les deux comme on veut, et bah après, à chaque fois qu'on appuie ici, l'oscilloscope va mémoriser ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à voir avec un oscilloscope classique, ou alors il faut un oscilloscope à mémoire, ce qui est quand même relativement rare. Et là, c'est un des gros avantages des oscilloscopes numériques, c'est que bah, c'est très très facile, là, pour le coup, de visualiser des phénomènes comme ça qui sont pas répétitifs. Voilà pour cette petite vidéo du jeudi soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.